Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo conseil. Avant de vous montrer comment on monte ce piège, je suis dans l'obligation de vous avertir que ce procédé en France, et ce procédé de pêche est complètement interdit. Donc utilisez-le uniquement si vous êtes en mode survie, si vous êtes perdu dans un endroit où vous avez une bouteille d'eau, vous la découpez, vous fabriquez ce piège-là pour pouvoir vous alimenter et survivre. Mais sinon, au-delà de ça, c'est pas possible en France. Alors ce piège, hein, c'est vieux comme le monde, ce qu'on appelle une nasse. Nous, on va essayer de le reproduire uniquement avec une bouteille d'eau. Alors pour les besoins de la vidéo, j'ai pris une bouteille de 5 litres, mais le procédé restera exactement le même avec une bouteille d'un litre 5. Pour commencer, on va déjà agrandir l'entrée. Donc on va redécouper le goulot. Et deuxièmement, tout simplement, on va diviser la bouteille en 3, donc on va couper un tiers à peu près. Nous voilà, première partie de la bouteille, seconde partie, il suffit juste de renverser, et voilà notre système de nasse. Il nous faut percer de part en part et de chaque côté. On coupe un morceau de paracord de préférence, à peu près d'un mètre de long. Alors ce qu'il y a de bien avec ce système, c'est qu'on peut retirer le capuchon autant de fois qu'on veut, ravitailler en appât, récupérer le poisson et recommencer toutes les fois. Hop, on retire de chaque côté, ça reprend sa place et c'est reparti. Comme je l'explique en début de vidéo, j'ai pris une bouteille plus grande et vous voyez pourquoi. Une caméra au fond, en espérant filmer de beaux petits poissons. Il va falloir encore le lester de 2 ou 3 cailloux afin qu'il puisse se caler bien au fond. Qui va faire office d'appât, tout simplement un œuf, en tout cas pour aujourd'hui. Sinon, dites-vous bien que dans la nature, les vers de terre, les escargots, il y a même certains fruits aussi qui feront très bien. Cette vidéo conseil est maintenant terminée. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner, partager, liker et surtout, bonheur simple.